Le président cubain Raúl Castro a été accueilli avec tous les honneurs en France pour une visite officielle de 2 jours. C'est la première visite d'un chef d'État cubain à Paris depuis celle de son frère aîné Fidel, il y a 21 ans. Elle consacre le retour de l'île sur la scène internationale. La France entend s'affirmer à cette occasion comme le premier partenaire politique et économique européen de Cuba. Première créancière de la Havane, elle a accepté en décembre dernier d'annuler une dette de 11 milliards de dollars. Cette visite aura une forte teneur économique et commerciale. La France entend encore renforcer la présence de ses entreprises dans un pays qui s'ouvre progressivement à l'économie de marché, quitte à se faire plus discrète sur la question des droits de l'homme.